On va faire une lecture du calculateur d'injection Phoenix 4 sur une XM V6 24 soupapes à génération moteur PRV. Voici la prise diagnostique du calculateur d'injection. Alors attention, sur cette prise il y a deux fiches. Alors bien prendre celle de droite pour faire la lecture quand le gros détrompeur est au-dessus. Mon lecteur de code de défaut qui est alimenté par un plus permanent en rouge est une masse. On va aller mettre le contact. Éteindre les ventilos. Pas moins de bruit. Alors, on commence la lecture, on alimente 3 secondes par le switch. Et on lit. Un flash. Deux flashs. Code 12, la lecture du calculateur a bien commencé. On continue, on alimente 3 secondes. Deux flashs. Cinq flashs. Code 25. On continue, on alimente 3 secondes. Cinq. Et un. Code 51. On alimente 3 secondes. Code 26, on ralimente 3 secondes. Et 4, code 74, on ralimente 3 secondes. Et 2, 72, on alimente 3 secondes. Soixante-treize. Sept. Six. Soixante-seize. Soixante et onze. Deux.
Code 11, la lecture du calculateur est terminée. On en conclut qu'il y a pas mal d'erreurs dans la lecture car le véhicule est équipé du GPL. Notamment les erreurs 71 à 76 qui correspondent à chaque injecteur de chaque cylindre. Vu comme il y a le simulateur de GPL qui est monté dessus, ça pose pas mal la lecture avec la sonde lambda qui était repérée, erreur 51 de mémoire.